Coucou tout le monde, c'est Krim. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en live sur un jeu que j'ai pas encore streamé jusque-là qui s'appelle World of Warcraft, mais sur lequel je joue depuis très très longtemps, plus d'une dizaine d'années on va dire. Et puis voilà, mais ça faisait quand même plusieurs mois que j'avais pas joué. Et donc je me suis dit qu'on allait se prendre un petit perso niveau 1, qu'on allait le monter tranquillement. À notre rythme, voilà. Puis en plus, comme je vous dis, ça fait des mois que j'ai pas joué, donc le jeu est en évolution constante. Il y a plein de choses. Enfin, je sais plus jouer, quoi. Et en plus de pas avoir joué au jeu depuis très longtemps, des mots, j'y ai pas touché depuis encore plus longtemps. Ça fait au moins 1 ou 2 ans que j'ai pas joué des mots. Donc avec tous les changements qu'il y a dû y avoir sur la classe, je pense que ça va être un vrai festival de noobitude. Voilà. Donc déjà, bonjour à tous, merci d'être là. Coucou Ange, et coucou à tous les autres qui sont là sans se manifester. Et puis, ben, on va y aller tranquillement. Donc j'ai créé déjà le perso, voilà, un démo humain de niveau 1, que j'ai appelé Tanis. Me demandez pas pourquoi, c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit, et il était libre, donc ça tombait bien. Et puis ben, on va démarrer. Et puis ce qui est bien, c'est que comme c'est un perso de niveau 1, même si je connais plus les sorts, je pense qu'on va pouvoir je vais pouvoir réapprendre à jouer au fur et à mesure que les sorts vont arriver. Et ben allez, on est parti. Et salut à tous ceux qui viennent d'arriver aussi. Alors on est parti. Pourquoi j'ai pas de son? Parce que je l'ai coupé. C'est dommage quand même. Les fiers humains de Hurlevent ont mené l'alliance à la victoire contre le funeste roi Lich. La campagne en Orfandre fut victorieuse mais coûteuse et ils cherchent maintenant à renforcer leur position stratégique partout dans le monde. Sous l'impulsion dynamique de Varian, l'humanité se prépare aujourd'hui à un nouveau conflit. Son ennemi de toujours, la Horde. Mais le grand cataclysme déchire le monde, et des menaces plus proches réapparaissent. C'est à vous qu'il revient aujourd'hui de défendre votre royaume et l'honneur de l'humanité. Eh ben voilà, on est parti. Attendez, j'ai des add-ons qui bug. Bah coucou, Don. Et bienvenue par ici. Donc, eh ben on est parti. Donc voilà, magnifique. Eh ben on attaque par la première quête. Repoussez-les. Donc on va aller devoir tuer les loups. Enfin les wargs. Alors, déjà j'ai quoi comme sort? Bah j'en ai qu'un, ça va aller vite. Hop, allez on est parti. Alors, ils sont par là. Ils sont là. Hop. Ah, ça fait bizarre de revenir dans la zone de départ. Ça fait trop bizarre. Alors, on est parti. On va tuer. Il faut en tuer 6, c'est ça. Alors on est un peu limité, hein. Au début on n'a qu'un sort, hein, mais les autres vont venir avec le temps. On va looter, hein. C'est comme ça qu'on va... Ah oui, alors attendez, il faut juste que je règle un truc. Non, c'est pas ça, pardon. Annuler, interface. Fouille automatique, sinon on ne va pas s'en sortir. Retour au jeu. Allez hop, suivant. Bon, j'espère que vous allez bien ce samedi matin. J'ai eu un petit peu de mal à me lever, moi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a commencé un petit peu en retard sur l'horaire prévu, mais j'ai eu un petit peu de mal à émerger. Enfin non, je me suis réveillée une première fois à 5h du matin, puis je me suis dit que c'était un petit peu tôt. Et du coup, en me rendormant, ça a été un peu plus dur au réveil. Alors... Bon, pour l'instant, ça va, c'est pas trop compliqué, un seul sort... Même moi, j'y arrive. Hop. Ah,
Ah, il en manque un. Non, ça, c'est des méchants. Hop. Ça va, je suis en train de faire des cookies en même temps, mais ça va, je gère. Contente de te voir jouer à WoW. Ah bah écoute, c'est trop gentil, hein, si tu veux. Puis si t'as trop de cookies, hein, tu n'hésites pas, tu me les mets de côté ou tu me les envoies, il n'y a aucun problème. Hein, je prends les dons en, je prends les dons en nourriture sans problème. Surtout qu'avec toi, on est sûr que qu'ils vont être bons, donc n'hésite pas. Je t'envoie mon adresse en MP si tu veux, il n'y a pas de souci. Donc, vous nous avez fait gagner un peu de temps, mais des problèmes encore plus importants nous attendent. Ça, je me doutais que c'était que le début. Et je récupère une ceinture. Et je prends un niveau magnifique. Je suis donc niveau 2. Hop, faut que je tue 8 espions roches noires. Et ben. Alors, attendez, qu'est-ce qui me dit mes signes? Alors, moi, je venais juste rapporter au nom de la communauté des. Crimlis, que les horaires des streams sont inacceptables et quelqu'un que préside. Oh, et en tant que président, j'ai signé la mise en place d'un boycott à durée déterminée. D'accord, qui commence maintenant et en signe de protestation, j'ai pas le son, donc les remarques ne seront pas prises en compte. C'est que toi qui n'as pas le son, c'est tout le monde. Parce que si c'est tout le monde, il faut que je fasse quelque chose. Si c'est que Missing, c'est pas très grave. Toute façon, il est méchant. Il est vilain, lui. Démoniste, ça lui aurait plu comme classe, je suis sûre. Un truc un peu. J'invoque des démons et je suis mauvais. Ah mince, je vais trop loin, c'est par là. Ils sont où les espions roches noires? Bah, ils sont là-bas. Allez, c'est parti. Non, non, le soin nickel. Ok, merci Ange. Donc c'est que Missing, c'est pas grave, comme ça on peut dire tout et n'importe quoi sur lui. Il pourra pas l'entendre. Et puis voilà. Bon, techniquement, il pourra aller voir le replay, mais bon. On va dire qu'il va pas y aller et qu'on est tranquille. Bah vu la petite photo que j'ai eue avant le live, je pense que oui, il profite un peu du beau temps. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de méchant sur Missing? Bon, qu'il est lui-même méchant, mais c'est. Ah non, c'est pas la bonne cible. Mais ça, c'est pas un scoop. Ça, c'est pas un scoop. Non, je sais pas. Bon, pour l'instant, c'est un peu monotone, hein. On n'a pas grand-chose à faire. Mais après, on va pouvoir partir un peu à l'exploration de compter de l'or et tout ça. C'est des méchants, ça? Non, c'est pas les bons. C'est des méchants, mais pas les bons. Alors, hop, par ici, viens ici, mon petit. Viens goûter à mon trait de l'ombre. Alors moi, d'habitude, je joue plutôt prêtre, hein, île de préférence, mais j'avais envie de... Île off. Île, c'est sympa pour les donjons, les raids, etc. Mais alors pour EP... C'est long quand même, donc je sais qu'il y a la double spé, mais du coup j'avais pas envie et je me suis dit que quitte à prendre un DPS, autant prendre un truc que j'avais pas forcément l'habitude de jouer, donc c'est parti pour le démo. Non mais moi j'ai pas le son parce que je suis dehors et il y a des rediffs de live, donc tout ce qu'elle dit sera retenu contre elle et pourra allonger la durée du boycott de son noyau de fans les plus fidèles. Non mais Missing c'est vraiment quelqu'un de gentil, c'est vraiment quelqu'un d'adorable, vraiment c'est un bonheur de le connaître. Je suis tellement déçue qu'il soit pas là. Enfin bref, tu crois que ça passe Ange ou ça fait trop foucu là? Bon, allez, c'est le dernier normalement. Ah non, il en reste deux. Allez. Et hop là. Allez, le dernier. Il est ouf. Il est là. Non, ça, c'est un worg. Voilà. À moi, l'espion. Hop.
Et c'est bon, terminé. Ah bah on va upper aussi. Ah, alors par contre, il faut que je regarde un peu le stuff parce que je dois avoir du stuff héritage quelque part. Ça permettrait de monter plus vite. On va aller voir ça en rentrant dans la quête. Je dois avoir du stuff héritage pour le démo quand même. Alors, attends, voilà, terminer la quête. Accepter et hop. Et donc ça va être dans collection normalement. Héritage. Sort de là. Alors ça c'est claque. Ça c'est cuir. Maille, cuir, tissu. Magnifique. Hop. On va le mettre tout de suite. Voilà. Oh mon Dieu, c'est très moche. Les épaulières, cuir, cuir, cuir. Maille, plaque. Ah non, c'est celle-là. Voilà, je retrouve un peu mes repères. Alors, on va mettre les épaulières tout de suite. La robe. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le pantalon. Le pantalon. J'ai pas un bâton. Masse, arc, hache. Bâton. Ah, j'en ai deux. Qu'est-ce que c'est? Agilité, oui, d'accord. Donc, c'est celui-là. Voilà, magnifique. Eh ben, ça devrait aller nettement plus vite avec ça. C'est une bague. Allez, on prend. Et les bijoux à prendre aussi. C'est quoi? Polyvalence, hâte et intelligence. Non, le mana, je m'en fous. Allez. Et voilà. Ah bah avec ça, ça va aller plus vite. J'aurais dû y penser dès le départ. Donc hop, hop, et hop. Bah tout le reste, on va aller vendre. Voilà. Ah, ça, c'est du look d'enfer. On est parti. Je sais plus ce qu'il m'a demandé. Ah oui, d'aller voir le bonhomme derrière. Bon, bah, on va payer un peu plus vite avec les vêtements là. Hop, c'est par là. Rejoignez la bataille, ok, on est parti. Tuez 8 assassins gobelins. Ah, et lui aussi, il a une quête à me donner. Frère Paxton. Réanimer 4 soldats blessés. Eh ben, on est parti. Hop, un assassin. Allez, hop. Voilà, magnifique. On va aller réanimer les copains. Oh, c'est beau. Un démoniste qui ranime des soldats blessés. On aura tout vu. On aura tout vu. Allez. Toi aussi, tu vas y passer, de toute façon. Et ciao. Hop. On le réanime. Et un petit dernier pour la route. Voilà. Ensuite, on va finir les assassins. Allez. Hop. Et puis j'aime bien distance aussi parce que les cacs, moi je passe ma journée à courir après les mobs et dès qu'ils se barrent. Enfin, je suis nulle en cac. Je suis pas super douée en DPS distance non plus, mais disons que je le suis encore moins en cac. Ça me rappelle quand je jouais à Diablo 2 en réseau, le bon vieux temps. Tu as joué. Oui, j'ai joué à Diablo. Alors pas le 2, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai un nouveau sort, j'avais pas vu. Corruption, j'allais voir. Oui, j'ai joué à Diablo 3 d'ailleurs, plutôt que le 2. Mais c'est pas. Enfin, j'aime bien vite fait comme ça, mais c'est pas forcément le jeu que je préfère. Attendez, je regarde juste qu'est-ce que c'est corruption, parce que je ne sais plus. Corrompt la cible. Ouais, d'accord, c'est un dot. Et ça. Ouais, de toute façon, j'ai pas de sort puissant pour l'instant. Donc, voilà. Hop. Et. Ah ouais, ça va mieux. C'est mieux quand on a plein de sorts. Et hop. Ah, j'ai hâte d'avoir mon marcheur bleu là pour qu'il encaisse les coups à ma place.
Ça va être pas mal ça, parce que pour l'instant je me fais taper dessus et c'est pas terrible. Alors, voilà, ah bah ça y est, c'est fini. Allez, on va rendre les quêtes. Allez, je dois aussi avoir un petit... Attendez. Une monture, j'ai une monture pour un niveau 1. Voilà. Voilà, on va la mettre là. Et voilà, magnifique. On va gagner du temps avec la petite monture. Hop, je suis allée trop loin. Je gagne tellement du temps que je vais trop loin. Hop, frère Paxton. Des chaussures. Bah, c'est pas mal, j'en ai pas, des chaussures héritage. Voilà, un niveau de plus. Pas de nouveau sort, mais un niveau de plus à toi. Les gants. Est-ce que j'ai des gants? Non, j'ai pas de gants. Présentez-vous au maréchal McBride devant l'abbaye du comté du Nord. Ok, donc on retourne voir le copain de tout à l'heure. C'est bien là, cette petite monture qu'ils ont mis avec chauffeur pour les bas niveaux, parce que quand il fallait se taper toute la map, c'était pas... C'était quand même pas terrible, quoi. Alors, grâce à vous, nous avons réussi à sécuriser les secteurs nord-est. Hein. Il vous reste un grand nombre d'orques roches noires à l'est et ils ont commencé à incendier la forêt. Magnifique. Le prix m'a pris pour un pompier. Récupérer 8 armes. Eh ben allez, on est parti. Ah, attendez, j'ai une quête. Bonjour, madame. Oui, c'est madame. Ah, servez-vous de l'extincteur. Là, je savais qu'ils allaient me prendre pour un pompier. Allez, on est parti. Alors. Ah ben, je vois bien, il y a le feu. Je bois un petit coup, j'ai soif. Ça fait bien. Allez, c'est parti. Ah non, je me suis trompée de bouton. Allez, hop, voilà, il est mort. On va aller éteindre le feu, parce qu'en éteignant le feu, on va... Parce que les mobs de tout à l'heure, voilà, pour ceux qui connaissent pas où, étaient jaunes, donc ils nous attaquaient pas tant qu'on les attaquait pas. Mais ceux qui sont en rouge, ils nous attaquent dès qu'on passe à côté, donc... Voilà, autant aller faire la quête là-bas, comme ça, forcément, on va les aggro. Et s'ils viennent nous attaquer, ben au moins... On n'aura pas à le faire après. Hop. Allez, hop, toi, je t'attaque, puisque t'es là, on est parti. Ah, et merci pour le follow, Camille, si j'arrive bien à lire. Je n'ai pas mes lunettes, alors je vois pas bien clair. Ah, mais tiens, j'ai retrouvé les armes. Ah oui, c'est ça, Cali. Calimero. Oh, c'est mignon. Et puis, bah, merci. C'est trop gentil. J'adore. Donc, en plus, on est avec toi, on est passé à 98, normalement, followers. Je m'étais fixé comme objectif 100 avant mon anniversaire qui arrive maintenant dans quelques jours. Donc je te remercie, tu m'aides à approcher de mon objectif. Donc c'est super gentil. Ah, il veut me grouper. Oh allez, vas-y, on ira plus vite. Vas-y, je me suis fait un copain. Bonjour copain. Oh bah j'espère, j'aimerais bien, il en manque plus que deux, je vais bien finir par les avoir avant le 22 quand même. Ah oui, on va dire bonjour quand même, ça le fait. Coucou, bonjour copain. C'est ça qui est bien aussi dans WoW, c'est l'aspect un peu communautaire. Moi, c'est un jeu où j'ai vraiment beaucoup de souvenirs dessus, parce que des bons, des mauvais, au niveau un peu, comment dire, au niveau social, j'ai vraiment rencontré des gens extraordinaires dessus. Ma fille est un bébé WoW, puisque j'ai rencontré son père dans le jeu, donc voilà, c'est quand même effectivement un beau souvenir. Alors attendez, le monsieur me parle, je vais lui dire, pas de soucis. Juste pour info, je stream en même temps, qu'ils disent pas de conneries. Voilà.
On en est où? Moi, c'est bon. C'est ok pour moi. Pour la quête, il t'en manque encore. Hop. Ok, bon, on est parti alors. C'est parti. Bon, ma vie, on va rendre. Bah, tu peux pas monter dans ma voiture, mais tu peux voir l'état de ma quête en passant sur les persos. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. C'est l'ancien Tinder. Oui, c'était... Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais effectivement, j'ai effectivement croisé pas mal de mes ex-compagnons sur le jeu. C'est pour ça, voilà, j'ai quand même en 15 ans de haut un petit affect. Ah bah génial. Merci aussi à Taki Tsubo pour le follow. C'est donc 99 si je sais compter. Ce qui n'est pas gagné. Du coup, on y est presque. Hein. Je suis un indé... Ah bah. Merci à Liandras TV. On est donc à 100. Merci beaucoup. Ça me fait trop trop plaisir. Je suis super contente. Merci vraiment beaucoup à vous. C'est juste super. Vous êtes trop bien. C'est trop fort. Merci, merci, merci. Ah, je suis trop contente. J'ai des joies simples, hein, moi, dans la vie. Sans followers, ça y est, je suis... Par contre, j'ai peut-être laissé le copain parce que... Vu que j'ai discuté avec vous en même temps, je risque un peu de le retarder. Je vais juste lui dire que je le lâche là. Désolée. Je vais dégrouper. Comme. Et j'explique tout. En même temps. Je risque de te retarder. Merci pour l'invite et bonjour. Voilà. Pour l'invite. Et bonjour à toi. Voilà, c'est parti. Hop, dégrouper. Quitter le groupe. Alors, pour info et qu'on ne dise pas que c'est du multi-compte, Taki, c'est ma copine et Aliandra, c'est une boîte. Ok, pas de souci. Bon, bah merci, mais c'est gentil quand même. Je suis passée les 100, je suis super contente. Et merci bah, de t'être abonnée avec les deux, c'est vraiment très gentil. Du coup, 120 avant ton anniversaire. Alors. Ah bah écoute, moi j'aimerais bien. Ça va dépendre des gens, je sais pas s'ils vont me suivre. On va essayer, on va augmenter l'objectif. Hein. De toute façon, le but c'est de monter le plus possible. Donc, allez, on soyons fous, on va dire 120 à mon anniversaire. Ça fait quand même pas mal. Ah bah, merci. Merci filleux. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et bah du coup, plus de 19. Vous êtes trop fort. Merci, merci, merci. Vous êtes vraiment trop... Franchement, c'est pas grand-chose, mais... Enfin, ça me fait vraiment super, super plaisir. Vous êtes trop, trop adorable. Oui, c'est bien ça. Ok, merci. Faut me dire, parce qu'avec les pseudos, c'est pas toujours évident de bien les prononcer. En plus, comme je joue avec... j'ai un deuxième écran, mais il est un peu loin de moi. Et du coup, j'essaye de suivre un peu le chat en même temps et... Et bon, voilà, c'est pas évident. Donc, surtout si je prononce mal vos pseudos, faut pas hésiter à me dire. Je rectifierai. Donc, du coup, avec tout ça, moi, je sais plus ce que je dois faire. Ah oui, je dois aller tuer Kurok le tueur. Eh ben, allez, on est parti. J'ai rien dans ma boîte aux lettres, en fait, j'ai même pas regardé. Donc, j'ai rien. Allez, hop. Donc, on est parti. On va aller tuer Kurok, qui doit être là-bas, près des arbres qui étaient en feu, dans mon souvenir. Oui, j'avoue que j'ai pris un peu la facilité parce que les humains, c'est quand même la série de quêtes que je connais le plus. Et du coup, je sais à peu près où tout se trouve. Je pense que ça, ça n'a pas beaucoup changé ces dernières années. Enfin, ça a changé un peu après Kata, mais là, c'est revenu comme il faut. Ah bah, il me l'a tué, le copain. C'est pas grave, on va attendre. Oh, j'ai un nouveau sort. Oh, j'ai un diablotin. Magnifique. Attendez, les gars, j'appelle mon copain. Voilà. J'ai le copain.
Allez, c'est parti. Oh, il est bien le copain, il est efficace, il tape fort. Enfin, il tape fort, tout est relatif. Si tu commences le jeu, ça doit pas être bien évident de s'y retrouver sur cette map. Alors moi, je trouve quand même que c'est assez intuitif. Hein, où, franchement, si tu commences tranquille, si tu lis bien les quêtes, et enfin, je veux dire, ils ont quand même bien amélioré le truc. T'as, chaque fois que tu as une quête, tu as sur la petite map en haut les endroits où sont la quête. Si tu ouvres ta carte du monde, tu vois exactement où sont les quêtes à aller faire. Donc je trouve, toi là, c'est les quêtes qu'il faut que je prenne. Là, c'est les mobs que je dois tuer. Donc je trouve que c'est quand même assez intuitif. Mais bon, maintenant ça fait 15 ans que j'y joue, mais dans la fenêtre du chat de ton deuxième écran, fais contrôle plus la touche plus pour zoomer dans le chat, tu auras plus de facilité pour lire. Ah, alors attends, je vais essayer. Merci pour l'astuce. Alors, dans la fenêtre du chat. Ok. Oulala. Qu'est-ce que ça m'a fait? Ah ouais, c'est pas bête, merci. Ça marche bien. C'est plus gros, voilà. Je te remercie. On va essayer encore une fois. On va zoomer. On va m'appeler mamie maintenant. Nickel. Bon, ben, c'est parfait. Voilà. C'est parti. Merci pour l'astuce. C'est gentil. C'est vrai que ça fait pas non plus super longtemps que je fais du live. Et du coup, j'ai pas encore toutes les astuces. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Tétaclac. Ben, c'est mon copain de tout à l'heure, non? Allez, hop, on y va. Ben, j'ai perdu mon diablotin. Non, il est là. Pour remettre la normale, tu fais contrôle plus haut. Ok, merci beaucoup. Voilà, on a réussi à le tuer. Et on est reparti. Allez, on va rendre la quête. Et je pense que c'était une des dernières avant de sortir de notre zone de départ, qui est donc Comté du Nord. Et on va pouvoir aller à Comté de l'Or, qui est le petit bled à côté. Ah, c'est bien pratique la monture, hein, quand tu les vois courir comme des bêtes à côté. Quand je pense à l'époque, quand tu devais taper les quêtes de la vallée de Strangleronce à pied, faire les allers-retours entre le haut de la vallée et le bas de la vallée, c'était un truc de fou, il passait 3 heures quoi. Bon allez, je vais faire le ménage avant que ma copine revienne des courses. C'est une bonne idée. Eh ben, merci beaucoup et puis encore merci pour les follow et merci d'être passé et puis peut-être à bientôt sur un prochain live. Sinon, nous, qu'est-ce qu'on fait? Bon, les armes, on s'en fout parce que de toute façon, on a une, elle est meilleure. Apporter les documents du maréchal hein, au... Ah là, Comté de l'Or, c'est bien ce que je disais. Donc, on va juste aller vider un peu les sacs. Parce que... Après, je pense que tout à l'heure, j'irai me crafter quelques sacs avec mon perso principal pour avoir plus de place. Mais en attendant... Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mon objet de quête. On va quand même... Est-ce que j'ai une cape? Non, j'ai pas de cape. Ah, c'est là, ok. Hop! Beaucoup de gens pleurent sur le retour de WoW classique, mais je crois que beaucoup ont oublié tous les points négatifs. Ah, mais non, mais c'était incroyable, les espèces de quêtes FedEx où il fallait apporter un truc à l'autre bout de la map. Mais la vallée de Strangleronce, elle était horrible. Il y avait au moins, je sais pas combien de quêtes où il fallait aller du haut vers le bas. Et vice-versa. Putain, mais c'était trop long, quoi. C'était... Pff. C'est bon, après, voilà, c'était marrant de le faire, mais... Enfin, j'ai pas forcément envie de me le taper sur tous les persos, quoi. Ouais, c'est ça, c'était level... Ouais, 40. Non, non, mais c'était... Moi, j'ai commencé à jouer... Ah, c'était quelle année? Ça devait être 2007 ou 2000, ouais, 2007 ou 2008 peut-être, j'ai commencé à jouer, donc j'ai pas connu WoW vraiment classique la base, mais je suis arrivée, c'était Burning Crusade, vers la fin, c'est plutôt la fin de Burning Crusade, je suis arrivée quelques mois avant l'extension d'après, mais c'était quand même chaud. Hein. Moi je me souviens, c'est Jean-Claude Van Damme qui m'a fait jouer à WoW, il a fait une pub. C'était à Noël, je m'en rappelle. Il avait dit, viens, je joue un mage, je fais le mage. Donc voilà, j'ai créé un mage pour faire comme Jean-Claude Van Damme. C'est pas... Bon. C'est un départ comme les autres dans le jeu. Enfin oui, moi, tu sais, Jean-Claude Van Damme, il me dit, fais un mage, j'ai fait un mage.
C'était horrible, je savais pas jouer. Quand j'avais fait les mortes mines, j'avais looté une cape avec de l'enduit. Et je sais plus, de la force, je crois, enfin des stats qui me correspondaient pas du tout. Et le tank m'avait demandé si je pouvais lui donner, et je lui avais dit, mais que dalle, c'est ma cape, je la garde, elle a beaucoup d'armure. Je m'étais fait insulter, mais j'avais gardé la cape. 1000 PO la monture 100%, pour avoir les 1000 PO à l'époque, c'était limite comme en avoir 1 million aujourd'hui. Ah, mais moi je me souviens, alors c'était un peu plus tard, mais à Norfand la monture, non pas à Norfand, à BC la monture volante. Ça m'avait pris des semaines et des semaines pour les avoir, quoi. Alors, bonjour monsieur, rapport pour compter de l'or. Voilà. Rapport, ok, donc c'est bon, j'ai fermé la quête. Qu'est-ce que tu vas me donner d'autre? Explorer la mine. Ah oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des kobolds. Et alors, attendez, j'ai une quête ici aussi. Et j'ai des quêtes dans l'auberge. Péril dans la rivière. On va tout prendre. De toute façon, on va tout aller faire. On regardera après ce que c'est. Ah, bon, bah, j'ai déjà fini celle-là. Ok, on reçoit de l'XP. 50 quêtes achevées. 50 quêtes achevées déjà? C'est bizarre, j'ai pas fait 50 quêtes là. Le maréchal, hein, parler au garde Thomas. D'accord, j'irai parler au garde Thomas, pas de problème. Le seul truc que je trouvais vraiment sympa, c'était les raids 40. Alors, j'ai pas connu moi ça. J'ai pas connu les raids 40. Quand je suis arrivée, ça existait déjà plus. Mais ça devait quand même être un sacré bordel à organiser. Et j'aurais pas aimé être RL quand il fallait faire un raid 40, quoi. Ça me fait pas rêver. Mais ouais, non, non, c'est vrai que ça devait être sympa. Ça devait être un joyeux bordel. Est-ce que j'ai des brassards? Non, j'ai pas de brassards. C'est magnifique. Il y a une quête, elle est où, elle est où, elle est où? Elle est dans la cuisine, je crois, la quête. Non, elle est pas dans la cuisine. Elle doit être dans les chambres, alors. Effectivement, c'était le bordel. Ah ouais, non, mais... Déjà, moi, j'ai été RL sur des raids 25, et j'avais envie de m'arracher les cheveux, et parce que j'étais GM à l'époque, et j'avais envie de tous les taper. Et je parle pas des mobs, hein, je parle des joueurs. Mais, oh, elle est où, cette quête? Elle est en bas, je l'ai pas vue. Ouais, c'est possible. Alors j'imagine même pas à 40, je crois que je les aurais tous. Quand même aller voir là au bout. Non, elle est pas là. Je crois que je les aurais tous tués en fait à 40, hein, parce que. Déjà à 25, c'était une galère pour les faire. Ah bah oui, il est là. Pardon, William. Rapporter 5 grandes bougies. Ah oui, on va aller voler des bougies au kobold. Allez. C'est parti. Ah, déjà, on va aller. Hop, c'est une barrière. Prendre le fly. Comme ça, si on a envie de se barrer ailleurs, on pourrait y aller plus vite. Alors ensuite, bah, toutes mes quêtes sont par là. Donc on va aller, ouais, piquer les bougies, la poussière, explorer la mine. Ça tombe bien, tout est au même endroit. Allez, c'est parti. Après, voilà, il y a des choses qui étaient bien aussi. Pourquoi je parle là-bas, moi? Il y a des choses qui étaient bien aussi, que je trouve moins bien maintenant. J'ai repris mon prêtre après des mois d'arrêt, mon prêtre d'ici. Ça se joue pas du tout pareil. Et j'ai beaucoup de mal, parce que prêtre d'ici, c'était juste un bonheur à jouer. Ils ont un peu tout changé la classe, et c'est beaucoup moins. Enfin, je trouve beaucoup moins sympathique. Je vais faire des quêtes là, et puis après je vais aussi aller apprendre des métiers parce que on va se faire deux petits métiers de récolte, comme ça rapportera un peu des pépettes aussi. Je file du PC pour revenir de ma tablette, comme ça je suis dans la cuisine en même temps. Pas de soucis, Ange.